prochain combat, Cédric Doumbé, que j'ai rencontré lors d'un tournoi en 2014, fin 2014. Voilà, qui commençait déjà un petit peu à faire parler de lui par son trash talking et aussi un petit peu quand même ses résultats, il faisait c'est quand même des bons résultats. Il me voulait à cette époque à tout prix, bon il m'a eu dans le tournoi. Voilà, quand c'était un tournoi, j'avais boxé Sami Sana et lui le même soir. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu au contexte différent, c'est qu'un match. Tous les combats de toute façon sont importants, c'est clair et net, hein. Soit lui ou un autre, il n'y a rien de... Franchement, il n'y a rien qui change. Pour moi, il n'y a rien de différent. Après, peut-être pour l'organisation, le public, tout ça, pour eux, c'est plus important. Mais moi, très honnêtement, aujourd'hui, j'ai acquis une certaine maturité, une grosse expérience de mon sport et du ring. Et non, c'est un combat comme un autre, quoi qu'il arrive, que ce soit Cédric. Demain il peut se blesser, c'est un autre, faut que je gagne, stop, voilà, c'est tout. Après, c'est clair que c'est plus important parce que l'opportunité est que c'était l'ancien champion du Glory et qu'aujourd'hui, en réalisant une victoire, je me positionnerai très bien pour un title shot. Voilà. Un super Glory et surtout, une super victoire parce que le title shot il est à ça. Et vraiment j'y tiens. Samedi le 28 octobre, les meilleurs combattants français affrontent les meilleurs kickboxers du reste du monde à Glory 47 Lyon. Doumbé, Lidon, Salvador, Vienno, plus un tournoi de 4 hommes avec le héros de sa ville natale, Fabio Pinca, et les poids super bantam Mexen et Alcaïs se battent pour un tir à la championne Tiffany Vansos. Glory 47 Lyon, le samedi 28 octobre au Palais des Sports de Gerland. Place en vente sur glorykickboxing.com.